Nouvelle vidéo, nouveau massif, nouveau département. Je me situe dans le massif du Vercors en Drôme. Je suis ici parce que je connais bien la région et je vais faire une petite nuit en igloo, en solitaire, bien évidemment. Allez, c'est parti. Ben voilà, je viens d'arriver sur l'endroit où je vais faire ma congère. Ça sera là. Je vais passer la nuit dans ce tas de neige là-bas. En fait, le truc, en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais venir creuser dans la congère et je vais venir faire mon igloo là-dedans, en espérant que la congère soit assez profonde. Je vais me changer. Je vais mettre une tenue en Gore-Tex avec laquelle je vais pouvoir vraiment creuser et pas trop mouiller. Le but, en fait, c'est vraiment que j'économise mes habits. Que je garde des habits secs pour la nuit, parce que avoir des habits humides pour dormir en igloo, il n'y a rien de pire. Ok, c'est bon. Bon, je me suis changé, je me suis préparé pour attaquer l'igloo et il n'y a plus qu'à. Hein. Mais avant ça, on va quand même mettre ces petits gants là. Ça, c'est des genres de petits gants mappins en fait, c'est ce qui me permet. C'est ce qui me permet d'avoir vraiment une étanchéité complète au niveau des gants. J'ai largement de la place. Ce qu'il faut faire maintenant en fait, enfin, ce que je vais faire, c'est casser tous ces angles là que vous voyez ici, parce que sinon en fait il va y avoir des gouttes et ça va me tomber sur la gueule. Du coup là, ce que je vais faire, je vais tout arrondir pour que ça tombe jusqu'à ici. Et voilà, allez, il n'y a plus qu'à. Bon ben voilà, je vais te finir l'igloo. J'ai plus qu'à mettre mes affaires et aller m'installer. Et après, plus qu'à dodo. Hein. Allez, à toutes. Bon, on va essayer. On va éviter d'en foutre à l'intérieur. Bon, ça y est, je suis installé. Je vais voir si la possibilité de lancer le drone avec tous ces nuages là. Il est à peine, même pas, il est à peine 17h, la nuit commence déjà à tomber. Ah putain, on peut apercevoir la lune là. Et je vais déjà aller au lit. Je vais aller mettre au chaud dans l'igloo. On va
suis installé dans mon petit igloo. Donc, je vous l'avoue, je commence à avoir froid. Je vais vite me changer parce que là mes habits sont vraiment tout et humides. Bon ben voilà, petite installation terminée. Voilà, je me suis changé, je me suis posé dans le lit. Franchement, là, j'ai pas de gants. Il doit faire 0 degré, je pense, dans l'igloo. Et c'est très supportable. Dehors, la tempête s'est légèrement levée. Et aucun bruit. C'est super bien isolé. Ouais, non, franchement, ben, j'espère être bien. Là, je vais commencer à me faire à manger. Me faire mon petit truc. Bon, j'ai mon petit thé et tout. Je vais me faire plaisir. Il faut bien en profiter quand même un minimum. Alors, le repas pour ce soir. Petit fondu aux 4 fromages et ses croutons. Ils vont pas m'en reverser dessus. Alors regardez ce que je suis en train de manger. Non. Franchement, s'ils appellent ça une fondue, j'ai pas l'impression que c'est vraiment une fondue, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais je mets toujours trop d'eau. Ouais, c'est pas mauvais. Bon ben voilà, j'ai fini ce que j'ai à faire et il est 18h30. Le seul problème c'est que je dois aller pisser et ça c'est la galère. C'est la galère. C'est-à-dire remettre les chaussures trempées et sortir dehors. J'ai pas envie. Bon ben voilà, je pense que je vais pas tarder à aller au lit. Il doit être quoi? Il doit être 20h30. Ça neige dehors. Je vous dis à demain. En espérant que je vais y dormir. Allez, ciao. Bon. 4h41. Je vous l'avoue, j'ai pas dormi de ouf. J'ai mon igloo quand même qui s'est vachement fessé. Et en même temps, j'ai l'entrée qui est en train de se boucher. Je pense qu'il y a quand même pas mal de vent dehors. Voilà. En plus, en étant dans une congère, forcément. Je pense que je vais pas tarder à faire mes sacs et à décamper, quoi. Je crois que ça doit souffler pas mal dehors, parce qu'il y a comme énormément un paquet de neige qui s'est accumulé devant l'igloo. Regardez ça. Mettre les gartels, je refais mes sacs et je me casse. Ranger mon sac. Et voilà quoi, là je vais me barrer. Je vais essayer de sortir parce que vu l'état de la sortie, ça va être un peu difficile. Oh Dieu! Oh. Putain! Je me pose la question. Allez, voilà, sors-toi. Oh, est-ce que mon gros cul passe? Putain, mon sac il passera pas. Ah. 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 Ah.
Ah, ah putain. Pas vous le cacher, j'ai connu mieux comment les veilles. Ah. 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 Oh putain. C'est comme ça que je quitte mon igloo. Il s'était bien rebouché de ouf. Et voilà. Allez, à plus. À plus, mon petit igloo. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ça y est, les gars. Je viens d'arriver à la bagnole. Bon, ça a été un sacré réveil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus. Ciao.